Donc bonjour tout le monde, ici Pierre Bofficé pour notre épisode de Horizon Forbidden West. Et on se dirige au nord cette fois-ci, tranquillement. Je sais pas s'il y a vraiment un chemin ça. Ouais, y a un chemin. On change de désert à forêt. Je C'est vais pouvoir magique. souffler. Un abri. C'est fou comment l'interaction a changé. Qu'est-ce qu'on a ici? Des cornes filantes, cornes filantes. Peut-être essayer de péter sa corne à un de you là. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, une affaire de ferrailleur! Un truc de ferrailleur, ok. Allez visiter ça. Un campement au sérum. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ça, c'est les. On est en territoire Ténac, et alors? Ne prends pas peur. Au pire, je cours. Il y a un contrat de récupérateur. Un génie est à l'œuvre. Je ne peux tolérer aucune distraction. Si tu as besoin de pièces, tu peux. Oh, une chasseuse! Oh, oui, bien, bien! J'espérais tellement en croiser une. Allez, pas de temps à perdre! Aloy. Si la mère de. Kiruf s'attend à ce que je lui fasse la meilleure armure de l'Ouest prohibée. Même comment qu'il s'appelle, Sty? Je lui offrirai un chef-d'œuvre. Et toi, tu vas m'aider à le réaliser. Bien sûr, tu seras rémunéré, même si le fait de me voir travailler est une récompense en soi. Tu fais partie de l'équipe de Kiruf? Alors t'essaies aussi de lui faire la meilleure armure? Juste à côté du territoire Ténac. Ils ont leur propre lot de problèmes à devoir gérer. Et puis, je ne me contente pas de faire une armure. Je fabrique une œuvre d'art, empreinte de la majesté d'anciennes machines et d'extraordinaires reliques. C'est pas Jamie Avec Foxx? La détermination du gentil L'acteur? et la fureur du ravageur enragé.
Alors, tu veux commencer par quoi? What the fuck? Récupération de biens? Tu as parlé de trouver des reliques anciennes pour ton armure? Exact! Mais ce rêve s'est éteint comme une forge sous la pluie. Comment ça? J'ai récupéré des rapports d'éclaireurs envoyés dans cette zone à l'époque des Raids Rouges. Ils y mentionnaient des ruines pleines de trésors. Mais quelques-unes de nos jeunes recrues ont volé les parchemins et ont pris la fuite pour aller chercher les reliques. Il faut absolument les retrouver avant qu'ils s'enfuient avec mes pièces. Je peux essayer de les retrouver? Et donne-leur une bonne correction de ma part tant que tu y seras, d'accord? Ok. T'as parlé d'utiliser des pièces de laboureur pour ton armure? J'ai repéré un de leurs troupeaux, pas très loin d'ici. Si tu pouvais me rapporter les bonnes pièces, cette armure serait aussi inébranlable qu'ils le sont. Je peux essayer. Oh, encore une chose. Les laboureurs laissent parfois un sillage de fleurs dans leur passage. Les Utaru en font une sorte d'infusion pour apaiser l'esprit. J'aimerais bien essayer, simplement pour voir si ça peut m'insuffler l'inspiration. D'accord. Je verrai ce que je peux faire. Ok, on va avoir pas tous ces contrats. Alors tu veux que ton armure porte la fureur du ravageur. Intéressant. J'ai repéré une de leurs meutes pas très loin d'ici. Si tu détaches un de leurs canons, je pourrais créer une armure aussi redoutable que lui. J'irai voir ce que je peux faire. Eh bien, si tu arrives à la voir, on ira le récupérer. Pure les cantiques. Tu as besoin de pièces de machines anciennes pour ton armure? Ah oui! Il y a des cimetières de machines anciennes près d'ici. Elles étaient terrifiantes. Avec quelques pièces, je peux faire une armure qui éveillera la peur et l'inquiétude chez l'ennemi. Toi, tu fais peur. Je regarderai les détails plus tard. Splendide! J'ai hâte que tu reviennes victorieuse. Hein? T'as besoin de pièces de machine? Ou au contraire, tu veux que je t'en débarrasse? Bon, qu'est-ce que tu veux? Ok. Quand c'est bleu, c'est que c'est pas complété. Quand c'est vert, c'est complété. Contrat d'occupation de Cagnard terminé, ok. Fait que là, c'est notre deuxième, ok. On commence par la plus simple. La moins haute. Relique antique. C'est au nord. On peut faire ça. C'est de laboureur. C'est à côté. C'est à côté. Right? J'ai déjà été dans ce coin-là même. Ah, c'est vrai, faut que je lise les...
Attends une seconde. Contrat. Un contrat sérum de récupération classique rédigé récemment. Le contrat suivant rédigé par... Ça devra tuer des laboureurs, récupérer la ferraille du troupeau désigné, choisi par moi-même. Les ferrailleurs recommandent d'utiliser des armes, munitions électriques pour effectuer cette tâche. Le chasseur devra, si possible, récupérer les fleurs qui poussent dans le sillage de ses machines. Faites attention, lorsqu'un laboureur se sent menacé, ses fleurs frétissent ou refusent de pousser. De plus, les fleurs en question ne poussent pas si la machine est tuée. Le ferrailleur recommande de rester hors de vue lors de la cueillette. Le chasseur comprend que l'acceptation de ce contrat comporte des risques. Les machines qu'Anda avait repérées doivent être par ici. Voilà le troupeau qu'avait vu Anda. Je dois pas me faire repérer pour atteindre les fleurs avant. Ah, je déteste l'odeur de la miel. Il drop des fleurs dans son sillage, c'est ça? Des petites affaires qui garochent à tout bout de champ. What the fuck? Un léger bug, ça. Si j'arrive à me faufiler derrière l'un des laboureurs, je pourrais peut-être atteindre les fleurs avant qu'elles ne fanent. Qu'est-ce qui garoche? Je dois réparer les données que j'ai sur les laboureurs pour pouvoir les garder. Mon focus pourrait peut-être m'aider à trouver ces fleurs plus vite. Telle une ombre d'un. Faut pas qu'il me voie. Quasiment toutes les fleurs, m'en manque deux. De toute façon, on va pouvoir les tuer. Je l'ai
un de moins. J'ai une amie qui tripe ses triceratops, elle serait pas contente de me voir faire ça. Oups, I did it again. Je suis pas capable de viser son os, cette corne. Qu'est-ce qu'il me faut? Je devrais retourner voir Anda pour lui donner tout ça. Ah, c'est plus le poison qui m'a fait du dégât ici. Parce que mes quatre, j'en ai un là, j'en ai deux là-bas. Quand même assez loin. Je t'ai apporté la pièce de laboureur que tu voulais. Et les fleurs. Mais par la forge ! Ne sont-elles pas magnifiques ? Voilà ton salaire. Essayons cette eau de plante qui fait s'extasier les Outarou. Je suis prête à recevoir l'inspiration. Et elle mourut. Je dois y aller. Bonne chance à toi. $3,750 XP. De dégainement 15%. Là, on va faire. Je pense qu'on va faire. Le déluge. C'est juste là. En même temps, on peut aller voir l'abri qui est au nord. Souffle ici. Wow. Je peux rien upgrader. J'ai
Tu as déjà découvert cet abri-là? Oui, je pense que je suis venu par là. Oui, j'ai fait ça de même, j'ai été là. Ok, parfait. On peut faire la quête qu'il y a là aussi. La vie tient coup? Ça a l'air d'être le village dont Zoka parlait. On dirait que tout a été inondé. C'était peut-être une tempête. Je me demande s'il y a eu des survivants. Je devrais aller voir le rivage. Oh, l'eau a l'air dense. Oui. Ça n'aidera pas à régler la pénurie d'eau à Lansardante. Ok, ouais, c'était une ville, ça. Il y a quelques survivants sur ce promontoire. Je devrais aller voir s'ils vont bien. C'est pas trop grave? Ça va aller. Voilà. Et pour les autres, alors? T'en fais pas, laisse-moi m'occuper des autres. Et repose-toi. Je suis Natika. Tu as atterri bien loin de l'Est, étrangère. Tu es Natika. C'est la marque sanglante, alors. Ce qu'il en reste. Comment tu connais cet endroit? C'est l'apprenti de l'encreuse de Lansardante qui m'envoie. Il se tracassait au sujet de votre caravane. Comme tu peux le voir, on a des problèmes plus urgents que l'approvisionnement en incarnite. Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière tempête a entraîné un déluge qui a détruit la moitié de la montagne. Une coulée de boue a dévasté le village. Il y a beaucoup de gens qui ont disparu. Mais il faut que je m'occupe de ces deux-là. Je peux fouiller les parages. Si je trouve quelqu'un, je te l'enverrai. Je te remercie. Et si tu vois un soldat plus âgé, taciturne, incertain à Kentok, dis-lui... dis-lui que je suis là. Kentok? Monsieur Kentucky? Vais-je le rencontrer un jour? Donc, il faut fouiller les ruines du village en quête de survivants. Ce qui me semble... Je peux peut-être me servir de mon focus pour trouver des survivants. Là, il y a des gens dans la tour. Jesus. On est coincé dans cette tour. La sortie a été bloquée par l'inondation. Il y a une échelle au sommet, mais on ne peut pas l'atteindre. D'accord. Je vais essayer de vous rejoindre. Je dois apporter l'échelle en haut du bâtiment. Je peux peut-être traverser grâce à ce qui est passé à côté. Il n'y a rien pour accrocher mon attracteur. Qu'est-ce qu'il y a là? Okay, comment je fais monter là? C'est la question. Oh, l'arbre! Je peux peut-être le faire de quoi avec l'arbre. Ça a marché. Il n'y a plus qu'à grimper à l'intérieur pour accéder au sommet. De là-bas, je pourrais traverser jusqu'aux survivants.
Voilà l'échelle de l'autre tour. Je devrais pouvoir sauter. Non ! C'était notre seule issue ! Est-ce que tout le monde va bien ? Mais tu n'es pas des nôtres ? Désolée. Oui. On s'est abrité ici quand une coulée de boue a envahi le village. Mais des gravats ont bloqué l'accès qu'on a utilisé. Tu es supposé faire de quoi ? Cette échelle était notre seule issue. Mais on ne pouvait pas l'atteindre d'ici. Ça ira. Je vais trouver un autre moyen de sortir. Tu sais ce qui est arrivé, aux autres ? Avant de se réfugier ici, il m'a semblé voir quelques-uns de nos camarades grimper sur une tour de guet au nord, près de la grotte. Je vais aller voir. Une fois dehors, allez vers la rive. Natika se trouve sur un promontoire. Elle a survécu. Bien. Nous la rejoindrons dès que nous pourrons sortir. D'accord. Ne bougez pas, restez ici. Tirez ça. C'est bon. Vous devriez pouvoir sortir. Merci. On se dirigera vers le rivage dès que possible. Sont capables de pogner le... Ok. Je ne crois pas que Kentok était dans ce groupe. Allez. Je ferais mieux de trouver la... de guet au nord. J'arrive. De l'eau jaune. Des machines. Elles ont dû venir après l'inondation. C'est juste des tunneliers. Carapateurs. Oh shit. C'est des crocodiles, ça. Je vais me battre contre eux autres. Interesting. Quel rocher. Je comprends rien, je vois rien, le tabarnak, là.
Tabarnak! Ouf, c'était quelque chose. À donner une leçon à ces machines. Est-ce que tout le monde va bien? Maintenant, ouais, sans ces carapateurs qui rôdent. Tu sais te battre, toi. On a vu des camarades coincés dans les falaises à l'est. Ils ont aussi besoin d'aide, si t'as le temps. D'accord, je vais voir ça. Est-ce que vous avez vu Kentok? Natika m'a demandé de le retrouver. Je l'ai pas vu depuis la coulée de boue. Très bien. Allez vers le rivage, de l'autre côté du village. Natika y soigne les rescapés. D'accord. Merci encore. Moi, j'ai fait plein d'aides. Je vais juste me prendre des soins, puis ça me coûtait vraiment gros des soins. Je risque pas d'en manquer. Ça avance quand même très bien, là. Côté exploration des choses. C'est moi qui... Ok. Hey, toi! Étrangère! Ici, on a des blessés. Il nous faut un moyen de les descendre. Tenez bon! Je vais trouver une solution! Je dois trouver un moyen de faire descendre les ténacs de la falaise. Cette grande grue pourrait m'aider. Si j'arrive à la placer correctement, je pourrais leur fournir un pont. Elle doit être coincée par autre chose. Mon focus peut m'aider à chercher. Pas trop quoi faire, hein. Faut être honnête. Mais on sort de l'astido, là. Je peux peut-être essayer mon focus. Ok, là, je déteste. Non, je déteste ça. Il faut essayer de trouver un moyen.
Moi, je suis monté là. Mon focus pourrait peut-être m'aider. Ouais, mais je comprends pas ce que je dois trouver. C'est ça l'affaire. Un arbre pour que je drop, y a-t-il quelque chose? Je sais pas, moi. Ah, je pourrais tirer sur ça. Ok, attends. Non, calice. Pas rien. Je ne pourrais dire. Que je monte. On va monter. Je pourrais utiliser mon focus ici. Il y a de la flamme gemme sur ces rochers. Y mettre le feu pourrait dégager la voie pour la grue. Wow. J'ai pas vu ça, moi. Un œil au bas du bras de la grue pour voir s'il y a un moyen de protéger. Gros bébé chat. Oh my god, les contrôles des fois. Ok, ça marchera pas si je tire dans ce sens. Je pense pas pouvoir tirer sur la barre d'ici. Je dois prendre de la hauteur. Au moins, elle explique en maudit. Mon personnage est assez fort. Et voilà. Oh, rien à faire. Le bras est coincé quelque part. Je devrais grimper pour aller voir. Ces câbles, le bras devrait pouvoir descendre.
Par le sang des 10, comment t'as réussi à faire ça? Ce sera dans ma réserve. Je ne sais pas comment tu as fait, mais merci pour ce sauvetage. Est-ce que tout le monde va bien? Il s'est cassé la jambe sur des gravats pendant qu'on essayait de s'enfuir. Mais il survivra. Comment vous vous y êtes pris? Une coulée de boue a englouti tout le village pendant la tempête. Cette corniche dépassait tout juste des flots quand on a réussi à l'atteindre. Mais quand la tempête a fini par se calmer, l'eau s'était retirée. Et nous, on était coincés. Et on ne pouvait pas abandonner un de nos camarades. Vous pouvez rejoindre le rivage? Natika y est. Elle s'occupe des blessés. Natika? Louée soit les 10. On va aller la retrouver. Natika. Elle saura ce qu'on doit faire ensuite. Merci encore, étrangère. Ok. J'ai pas trouvé Kentucky. C'est bon. Je crois que j'ai trouvé tous les survivants. Mais je n'ai pas vu Kentuck parmi eux. Je devrais retourner voir Natika. Pour lui dire. Repose-toi. Aloy, ces soldats sont en sécurité grâce à toi. Mais où se trouve Kentuck? Je n'ai vu personne qui corresponde à sa description. Tu sais où il était quand c'est arrivé? C'est moi la dernière à l'avoir vu. Je lui ai dit que je voulais partir d'ici pour prêter serment à la garde du chef. Mais il a refusé de me libérer de l'escouade. Tous les guerriers Ténac sont obstinés, mais Kentuck, il l'est bien plus encore. Alors, je suis partie. Je revenais par la crête d'en face quand j'ai aperçu la coulée. Tu revenais le voir pour t'excuser. Je dois le retrouver. Si quelqu'un peut survivre à une tempête, c'est lui. Okay. Tu dis que Kentuck était ton chef d'escouade? Il m'a formé quand j'ai été affectée à son escouade. Il est aussi coriace qu'un carapeste. Aussi impitoyable que le désert. En tout cas, ma lame est plus redoutable et plus leste grâce à lui. Il m'a appris à combattre par devoir et non pour la gloire. Pour défendre un but qui te dépasse. Oui. Mais il veut que je reste attachée à cet endroit plutôt que d'embrasser les ambitions de la garde du chef. Tu as dit que tu voulais prêter serment à la garde du chef. Est-ce que c'est ça, les maréchaux? Non. Les maréchaux parcourent le territoire du clan, sur les ordres du chef Écaro. La garde reste au bosquet pour défendre le site et le chef. Mais comme pour les maréchaux, il n'y a qu'une poignée d'élus qui ont cet honneur. Et pourquoi Kentuck ne voulait pas que tu partes? Il a dit que servir mon escouade et mon clan était un honneur plus grand. Mais on se contente seulement de récolter de quoi faire de l'encre. C'est moins important que protéger le bosquet et le chef en personne. Ok. Alors c'est la boue qui a fait ça? C'était une sacrée tempête. Il y en a de plus en plus depuis quelques années. Des pluies torrentielles, des orages violents, des vents qui font grincer les tours. Mais la dernière, ça a été la pire. Cette région était aussi aride que le reste du désert. Les tempêtes l'ont complètement transformée. Il y a une pénurie d'eau à la capitale. Est-ce que ça les aiderait? L'entaille dans le sable est à sec? Alors on n'est pas les seuls à avoir des problèmes. Mais malheureusement, non. Cette eau est contaminée par l'incarnite. C'est comme boire de l'huile de machine. Arc. L'apprenti de l'encreuse de Lance Ardente a parlé d'un échange d'incarnite contre de l'eau. C'est comme ça dans le désert. Quand d'autres villages partent chasser ou récupérer des pièces de machine pour la capitale, nous, on ramasse des cailloux. Mais des cailloux importants. Le clan a besoin d'incarnite pour marquer les peaux. Comment ces Léla Gloire sont notre matière première? Je peux retourner voir, autour du village. Où l'as-tu vu pour le... Natika. Je suis là. Où est Kentuck? Il a survécu? Nous allons le retrouver. Il m'a sauvé. Il m'a poussé sur le côté quand tout s'est effondré. Mais la coulée l'a emporté. Vers la crevasse. La crevasse? C'est un ancien passage qui mène sous la terre. Viens!
Je vais te montrer ça. Natika, on a besoin d'ordre. On est vulnérables ici. Peu d'entre nous peuvent manier une arme en cas d'attaque de machine. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Vas-y. La crevasse est près de la colline, au nord-ouest d'ici. Je te rejoins dès que possible. Commençons par poster deux soldats pour monter la garde. Donc rejoindre la crevasse. Je vais juste aller sauvegarder, on va arrêter ça là. Et puis, on va continuer après le souper. Voyons, sacrément, je vais juste monter. Le feu de camp est où? Il serait genre en haut? Oh, je sais pas, moi, il est où, le petit feu de camp? Peut-être que toute l'eau va s'en aller, puis... Allez là, on va se regarder là, tiens, ça va finir là. Donc, on va arrêter ça là. Merci d'avoir été tout le monde, puis kip kip à tous, et à la prochaine!